Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui on va se retrouver concernant une arme qui a complètement disparu du multiplayer, c'est la MP5. Et pourtant, la MP5 était très clairement une des armes les plus jouées sur Call of Duty Black Ops Cold War. Mais malheureusement, elle a été nerfée 2 semaines après la sortie du jeu et c'était un peu normal parce que l'arme était vraiment beaucoup trop puissante. Les 2 premières semaines, après, l'arme a tellement été patch que personne ne jouait avec. Et surtout qu'il y avait la K74U à côté et d'autres armes comme la Hog, la M16. Mais la MP5 de Call of Duty Black Ops Cold War est vraiment très intéressante vu que la LC10 a été nerfée, que la K74U a été nerfée. Bah la MP5 est devenue très intéressante suite au dernier patch. C'est une arme dévastatrice au corps à corps, au pur corps à corps, et si tu gères assez bien le recul, elle fait quand même assez de dégâts tout ce qui est mi-distance. Et évidemment, pour illustrer la best class setup, je vais vous proposer deux gameplays nucléaires avec la MP5. Si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir si vous lâchez un gros pouce bleu, si vous partagez la vidéo, surtout lorsqu'il y a des nucléaires qui sont derrière. Et si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de follow Twitter, Instagram et Twitch, ça fait toujours extrêmement plaisir, tous les jours en live désormais sur Twitch, sur du Call of Duty Black Ops Cold War. Alors, lors du gameplay, je vais jouer avec l'Opulence Romaine, qui est tout simplement une variante de la MP5 que je trouve magnifique. Très clairement, elle est incroyable cette MP5. Au niveau du premier accessoire, donc je vais mettre le silencieux sonore. Alors pourquoi je mets silencieux sonore au lieu du silencieux agency? C'est une histoire de portée de dégâts, elle n'a pas énormément de portée de dégâts, donc si vous mettez le dernier silencieux, certes elle va pas beaucoup bouger, mais je trouve ça complètement inutile étant donné que le but de cette mitraillette, ça va être d'être très 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 agressif au niveau du pur corps à corps, donc autant mettre le silencieux sonore. Au niveau du canon, on va se retrouver avec le dernier canon, je pense que vous savez pourquoi, au niveau des dégâts, au niveau de la portée des dégâts et au niveau de la vitesse des balles. Au niveau de l'accessoire de canon, de nouveau la poignée agent de terrain, le dernier chargeur, elle a pas beaucoup de munitions, la MP5, contrairement à d'autres mitraillettes, mais toujours très intéressant d'utiliser le dernier, ou tout simplement vous pouvez utiliser celui-là, c'est vraiment comme vous le sentez, c'est vrai qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux, donc soit tu décides de mettre le troisième chargeur, soit tu décides de mettre le dernier. Et au niveau de la poignée, on remet le revêtement élastique. Voilà, ça suffit très bien comme ça. Pas besoin de toucher l'arme. Prêt à faire des carnages. Fais par derrière. Ça a vu. Toujours pas mort. What? Tu es mort? Non mais attends, y a un mec qui voulait pas mourir, mec. C'est Rambo vraiment. Hein. Ok, perso. Ouais, j'ai vu ça pour après. Si la vie pouvait mourir un peu sur A, je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire. Je vais suicider pour la double main. Ok, let's go. Ouais, je suis à quelques kills. C'est le loot, de la nuit. C'est quel là? Le mec cheat, il va hors map. J'ai un peu le démon parce que je suis mort 2 fois comme un débile. Bon, une fois j'ai pas de bol, hein, je me fais choper par derrière, je peux rien faire quoi. Chope un mec par derrière. Pas de chance là, à ce niveau là. Ça on pouvait rien y faire des fois, hein. Malheureusement. Même si on joue avec Assassin. Ouais. Ouais, du coup t'as le warp là, je crois. Ouais, mais je le lance pas tout de suite. Attends. Vas-y. Moi je le rentabilise un peu à mort, hein, le truc. Hein. Ouais, t'inquiète, super, ils sont vraiment restés tous sur un. Tant mieux. Des grands malades. Ah ouais, attends, mais... vas-y, je te le laisse si tu veux. Attends, je te prends celui dans le coin si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah, j'en profite, hein. J'ai vu les 4 en même temps, j'ai fait vas-y, hein, let's go, on fait péter. Oui, hein. Il a le full team limite, au total. Ah, les alliés qui sont. Bon, ce moment pour avoir le harp, mettre un peu plus de temps. Ok, let's go. Ok, un spawn trop bizarre, fais gaffe, il y a du monde encore.
Ce que j'aime bien faire des fois, c'est ça. Je balance un micro de terrain au cas où. C'est pas. Le mec, il passe à gauche, fais gaffe. Il est juste. Bah, il est encore. Ouais. Ok, il est dans le bus, je me casse. Mort dans le bus, il y en a encore un. Ouais. Non, ah, c'est bon. Il est mort. Ils ont détruit mon micro de terrain. Ah, il y a tout le harp. Hein. Enfin. Je vais essayer prendre C, je vais wait. C'est avec 23. Oh, j'ai plus de kill là. J'ai l'impression qu'il spawn sur A là, mais je sais pas où il spawn en fait. Ah, sur A. Il y a un mec qui t'attendait. Putain, je l'ai tué. Ouais, ouais. Il y en a encore un. Il y en a un qui est au top. Bien joué. Tu te mets bien là. Ouais. T'as combien pour ta nuit que je te laisse des kills? Je suis à quelques kills. Vas-y. Vas-y. Savoir si je t'en laisse parce qu'on a un triple cap, fais chier. Je suis à 2 kills. Allez, venez vers moi. Non, non, les alliés, dégage, alliés. Et hop, la nucléaire. Bien joué. Ah, c'est pas la nucléaire la plus glorieuse vu, vu les balles et vols, mais. C'est une nucléaire MP5. Voilà, c'est la MP5, c'est kiffant. Oh, ça c'est du bon tryhard, hein. Contrairement à la game d'avant. Il y a un mec à la droite sur toi. Non. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fout? On sait déjà? Ouais, ça a carrément sorti les mecs de McNamara en fait. What the fuck, je comprends rien au spawn, je croise personne. Ouais, normal. Ok, on va très vite se barrer. Derrière la statue. Bon, je me dis bien. Fais gaffe, non. Non, je pars en 10. Il y en a un qui a la statue, gros, fais gaffe. Bon, ben, j'aurai bientôt le waiter, mais je les choque, quoi. Ouais, je m'en fous. Ok, c'est réduite. Pour le prochain, t'inquiète si t'as 8 heures. Il faut que je fasse un peu. Y'a un mec qui arrive sur C. Touché. Il est rentré? Ouais, ouais, il est re-rentré. Vas-y, vas-y, j'y vais. Ouais, je se la donne au top là. Naze. Et en plus, il joue avec les McDo Makimbo, hein, donc. Ouais, gros, on zéro shoot. What? Y'a un mec qui attend dans la maison. Magnum Akimbo, dégage! Attends. Putain! J'ai joué gros. Ah, ça a quitté tous les amants, putain. Tous les. Tout le rush kill. Tous les putains de tryhards ont rush quitté, quoi. Incroyable. Après, t'es en vidéo, mais LT, pourquoi t'affrontes pas des tryhards, etc. Bah, trois quarts du temps, bah. Ça rush quitte, hein, écoute, hein. En plus, ils comprennent pas que quand ça join, c'est souvent des noobs, c'est même pas le SVM qui est pris en compte.
Non, quand tu joins, généralement le SBM il marche pas trop en fait. Mais les gens ils comprennent pas ça en fait. Mais en fait, vu que les gens gueulaient tellement pour essayer de trouver des mecs, hein, c'était impossible de trouver des mecs, bah ils ont je pense qu'ils ont dû changer leur politique. Ouais, c'est sûrement ça. Regarde, il y a un mec niveau 36, et après, tu sais, si tu finis un gameplay, ils vont dire ah bah. Salon RB. Ça fait du RB. Mort. Ça, les parano, gros. C'est comme moi, quand je joue en solo à Skip, j'ai des lobbies bizarres. En solo, on a tous des lobbies bizarres, en vérité. Genre, des fois, on peut tomber sur les plus gros tryhards de la planète, puis des fois, sur les plus gros noobs. Hein. C'est vachement aléatoire, le solo, des fois. Ah là, j'ai fait un peu n'importe quoi, là. Deux. Non, je t'en veux, putain. Pourquoi j'ai sauté la barrière? Quel abruti que je suis. Je suis naze en vrai de jouer avec mon attel. Le... Il y a un mec au top. Ok, 25. Putain, j'ai... largement faire une double. Ah, je peux déjà faire une nucléaire simple. Déjà partons du principe. Je vois personne. Quel plaisir. Ok, je suis en série de 28. Plus que 2 kills et j'ai pas utilisé encore mes dernières munitions de machine de guerre. Comme ça, je fais pas mal de kills à la MP5 et y a pas un mec qui m'arrivera dans l'espace des commentaires. Ah, tu utilises trop la machine de guerre! Oui, c'était ça, c'est vrai. C'est... De toute façon, il y a toujours des excuses. Mais ouais, le défi 21 nuques. Ça te tente pas de le faire? Nine. Alors. En vrai, ça te ferait un concept de série, tu vois, sur la vie, sur ta chaîne. En plus, c'est des nukes sans machine de guerre. Tu te fais le challenge en solo ou en petit groupe et. Ouais. Ah, niveau de la ça fait une petite série vidéo, quoi. Attends. Juste assurer. Let's go, nucléaire. Let's go. Et bah voilà, nucléaire back to back hein, d'ailleurs, hein, je tiens à préciser quand même. Oh, ce long shoot. Tu joues avec le corps expéditionnaire? Quoi? Tu joues avec le corps expéditionnaire sur l'MP5? Oui, bien sûr. Elle bouge pas trop, parce qu'en vrai elle bouge, hein, je trouve. Non, je trouve pas que ça bouge beaucoup en vérité. Je trouve que j'ai connu des mitraillettes qui bougent beaucoup plus que ça. En vrai, de vrai, ça va. Dès que t'as compris comment gérer le recul, tu fais ce que t'as envie après. Ouais. Ah, j'en profite, je suis encore quelques kills à l'arme. Évidemment, quand je dis ça, je commence à bégayer ma race. Oh oh. Je suis dans la merde. Ouais, ça passe bien sur toi. Non, mais là. C'est juste que j'ai plus de mun depuis tout à l'heure. Ok. Ouais, carrément un mec à FK maintenant. Ouais, le ZZZ. Je sais même pas, je suis en combien là? Je suis en 48. Oh, j'ai failli mourir. Oh merci d'allier. Je vais peut-être oublier l'équivalent. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un hitter. Bien vu ça.
Je vais les caber sinon c'est sûr. Bien vu, bien vu, bien vu. Allez, je suis mort. Putain. Il m'a mis quoi? Vas-y, je te tire. Ouais. Il est passé à travers mes balles. Tant pis. Oh, je sais pas, j'ai dû faire un 40.